Quoi tout le monde? Bienvenue au TVA Midi. Alors, ça commence à chauffer entre Québec et les maires. La mairesse de Gatineau, donc, interpelle le ministre des Services sociaux sur sa façon de gérer la question de l'itinérance. Et Alain, donc, elle en a rajouté encore aujourd'hui, là. Oui, avec le collègue Mario Dumont, là, vous allez l'entendre dans quelques instants. Le ministre responsable vient de répliquer il y a quelques minutes. Ce qu'il dit, là, parce qu'on a une situation de personne en itinérance qui vit la même chose actuellement que cette jeune fille de 18 ans qui a accouché dans la rue. On dit que les autorités médicales suivent le dossier, qu'il y a une question de volontariat, mais ils sont au courant. Le ministre dit que la région, on est très au courant de ce qui se passe là-bas, mais il dit qu'il a l'argent nécessaire pour venir en aide aux gens en situation d'itinérance, qu'il y aura une rencontre le vendredi prochain là-dessus à Québec. Et il a répondu à la réplique de la ministre que vous allez entendre, pas de la ministre, de la mairesse, vous allez l'entendre. Dire de baisser le ton, je ne sais pas ce qu'on ne veut pas entendre. Moi, je pense que quand il y a des situations difficiles sur un territoire où on a des humains, des citoyens du Québec qui vivent de la détresse, on a la responsabilité de le dire. Moi, j'ai dit à M. Cartman, je dis, M. Cartman, je vous remercie qu'on ait des échanges. Moi, je considère comme mairesse qu'on a mis de l'argent où vous auriez dû mettre de l'argent. Encore une fois, elle a mis de l'argent dans le béton. Et moi, je lui ai dit déjà qu'on allait offrir les services pour les gens qui vont être installés dans cet immeuble. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver une solution pour tout de suite, cet hiver. Premièrement, le ton est à changer. Mon collègue hier l'a bien dit. Je pense que moi, j'ai entièrement confiance en Lionel Cartman. Du travail qu'il a fait, on a fait beaucoup pour l'itinérance et je suis très confiant que Lionel va trouver des solutions. Le ministre Cartman a déposé en 2021 un plan sur l'itinérance de 280 millions sur 5 ans. Moi, j'ai une grande confiance en lui et là, il est possible qu'on doive ajouter des sommes supplémentaires. Et c'est le ministre Cartman qui va décider ça. En attendant, donc, Alain, Québec demeure intraitable sur la question du pacte fiscal avec les municipalités. Bon, on est en négociation. Le pacte fiscal va être renouvelé en 2024. Mais pour ce qui est de l'argent ajouté maintenant, alors que les demandes des municipalités sont énormes, 2 milliards de dollars uniquement pour l'adaptation au changement climatique, c'est non. Écoutez. Écoutez, on est au début d'une certaine négociation pour le partenariat avec les villes et ça devrait bien se passer, là. Bien, c'est pas à moi de qualifier cette sortie-là. Mme Bélé l'a dit ce qu'elle a dit. J'en prends note, tout comme mon collègue Cartman. Maintenant, ce dont je prends aussi note, c'est tout le travail qu'on a fait en matière d'itinérance. Il y a une crise du logement qui n'est pas juste au Québec, qui est à la grandeur du pays puis qui est là au niveau international. Je sais que je m'occupe du Québec. Il faut augmenter l'offre de logement puis c'est l'affaire des villes, du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. Le premier ministre tiendra un point de presse. C'est la fin du caucus ici à Saguenay au cours des prochaines minutes. Merci beaucoup, Alain.